Bon, et bien me voilà installé pour l'une des dernières sessions de l'année. J'ai profité d'un petit trou dans l'après-midi de 3-4 heures pour venir tendre les lignes. Donc là, je suis sur un plan d'eau d'une quinzaine d'hectares que vous allez sûrement reconnaître, car j'ai déjà fait quelques vidéos dessus cet été. Donc l'objectif de l'après-midi, ça va être d'essayer de mettre un poisson au sec avant la nuit, donc avant 17 heures à peu près, avant qu'il commence à faire froid. Je suis déjà venu le pêcher deux fois auparavant, la semaine dernière. J'ai fait un poisson à chaque fois. Donc on va espérer que les poissons soient toujours en activité. Là aujourd'hui le temps est un peu changeant. J'ai un coup du soleil, un coup des nuages, donc comme vous allez le voir. Donc j'espère que ça va pas trop perturber les poissons et on va essayer de faire au mieux. Donc aujourd'hui une stratégie totalement différente de celle que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Là à mon goût il n'y a qu'un seul poste intéressant à pêcher sur ce plan d'eau en hiver, c'est une île en plein milieu. Je sais que les poissons s'y tiennent à peu près toute l'année, donc j'ai choisi ce poste là où je pêche à deux cannes dessus. Donc j'ai fait un amorçage d'une quinzaine de bouillettes, c'est tout, autour de l'île à la cycrée en 20 mm. Donc j'ai bien éparpillé mes billes pour faire un peu tourner les poissons s'il y en a qui s'alimentent encore. Et j'ai posé mes deux cannes, donc elles doivent être à 10 mètres d'écart l'une de l'autre. Ouais, le deuxième poisson. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer le combat du premier parce que j'étais en train de discuter. Une petite miroir déjà de 12-13 kg, mais là, waouh, quel poisson. Toujours sur le combo amorçage à la cycrée en 20 mm. Et là deux petits dumbbells cycrée de tuna. Et le résultat est là. Une vieille miroir tout en muscles qui doit faire 16-17 kg. Waouh. Plus gros poisson de l'année pour moi sur cet étang. On dit que la pêche devient plus complexe en hiver, c'est vrai, mais c'est souvent là que tombent les plus gros poissons.
Ça y est, l'après-midi touche à sa fin. Il reste environ une vingtaine de minutes de soleil, donc je vais les plier tranquillement. Au final, deux jolis poissons, dont cette magnifique miroir de 16-17 kg qui avait une bouche nickel. Donc prise sur la gamme d'appât de chez Carption. Si jamais vous voulez jeter un œil, je vous laisse un lien en description avec un code promo de 10% si jamais les appâts vous intéressent. Donc là, très certainement, la dernière vidéo de l'année de pêche. J'irai peut-être faire encore un ou deux petits coups rapides. Donc si ça vous intéresse de suivre ce que je fais, je vous laisse mon Insta en description. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'année à tous et du courage à ceux qui vont aller à la pêche.